Coucou mes petits loups et bienvenue dans ce 24e Vlogmas. Ça y est, nous sommes le 24 décembre, c'est Noël, enfin le réveillon en tout cas. Donc je vous souhaite un très joyeux Noël à tous. Lorsque vous verrez cette vidéo, nous serons le 25. Mais le 25 ou le 26 en fait, parce que c'est vrai que je vous explique, comme j'aurai ma famille quand même qui sera à la maison, c'est pas non plus sûr et certain que je sois à l'heure pour poster le Vlogmas d'aujourd'hui, donc du 24. Donc je verrai, j'essaierai de le poster demain le 25, mais on verra, puisque voilà, quand j'ai la famille à la maison, c'est peut-être un petit peu compliqué pour prendre du temps pour faire ça. Sinon, là, je me suis habillée. En fait, je vous explique, j'attends Damien, il est 11h je crois, 11h, 11h05, voilà, j'attends Damien, on va passer vite faire la pharmacie. Alors oui, nous sommes dimanche, mais je vous avouerai que hier, j'ai hyper bien mangé, beaucoup trop mangé même d'ailleurs, je crois, parce que du coup, dans la nuit, j'ai eu des... je me sentais pas bien, quoi, je me sentais... barbouillé, j'avais l'estomac qui tiraillait un peu, barbouillé en général. Donc j'avais du space-fond, j'en ai pris, mais je me sentais pas top quoi. Et même ce matin très tôt en fait dans la nuit, j'ai commencé à avoir la gorge qui picotait un peu. Donc depuis mon réveil ça va mieux, j'ai pas du tout mal, mais dans le doute, je suis quelqu'un de très prévoyante et en plus je sais que mes sœurs vont venir, mes sœurs et mes neveux, enfin une de mes sœurs et mes neveux et mon beau-frère sont malades, donc ils ont eu de la fièvre et tout apparemment, ils vont quand même venir à ce que me dit ma soeur, ils ont à peu près 3 heures de route pour venir nous voir, mais normalement ils sont censés venir, et le truc c'est que je suis trop heureuse de les voir, mais c'est vrai que du coup, comme déjà je me sens un peu, bah déjà de 1 barbouillée, de 2 la gorge qui picotait un peu ce matin, voilà, je me dis... faut peut-être que j'aille prendre quand même un petit truc à la pharmacie. J'aimerais bien prendre, je sais pas si vous connaissez, de l'oscillococcinum. Ça passe des fois à la télé, la publicité. Et il paraît que c'est très 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 efficace. Donc bah, soit quand vous commencez à avoir des maux en général, de la fièvre, le nez qui coule, etc. Courbatures, etc. Mais je sais aussi que c'est bon en prévention. Pour éviter de tomber malade, et il paraît que c'est très très efficace, et c'est de l'homéopathie. Donc je vous ai dit, maintenant j'essaie de prendre un maximum des choses un peu naturelles, je suis plus trop pour les gros médocs. Donc si je peux prendre de l'oscillococcinum et de la vitamine C et trouver un truc pour mon ventre surtout, parce que même là je sens que ça tiraille un peu, c'est pas super agréable, même en ayant pris du spasfon ça passe pas vraiment. Donc je sais que le spasfon c'est pas trop naturel. Donc bon, on verra à la pharmacie, genre voilà, faut que je prenne conseil. Et comme demain c'est férié et que tout est fermé, bon après je pense qu'il doit y avoir une pharmacie de garde, hein, comme tous les dimanches, comme les dimanches. Mais bon, vu que ma famille sera là, je préfère faire ça avant qu'ils arrivent, par prévention, avoir les trucs là, tout de suite à la maison, plutôt que de devoir courir à la pharmacie demain en urgence dans une pharmacie de garde, alors qu'il y aura les petits et tout avec nous, quoi. Donc on verra bien. Là j'attends Damien, il devrait... Enfin il a 2-3 courses à faire, il a du pain à prendre, etc. Enfin des bricoles, mais 2-3 petits trucs à prendre. Bon, je suis habillée, je suis prête, je l'attends. De toute façon on va vraiment faire un tour vite fait. On va récupérer aussi le poisson pour ce soir avec son frère, puisque c'est lui qui nous fournit le poisson pour le repas de ce soir. Et ben du coup, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Je vous retrouverai sûrement tout à l'heure. Je vais pas vous prendre avec moi pour juste aller à la pharmacie, ça sert à rien. Et donc je vous retrouve quand Damien et moi nous serons rentrés. J'ai une cam à faire avec mon papa aussi. Dès qu'on rentrera, je pense que ce sera limite l'heure de faire la cam avec mon papa. Et je vous prendrai, je pense même limite quand on sera dans les préparatifs pour faire le repas et tout, avant que mes soeurs arrivent, je pense qu'elles devraient arriver dans les environs de 17h si tout va bien. J'espère que ça va bien se passer la route pour eux. Et voilà, je vous prendrai lors des préparatifs du repas, de la table, de la mise en place, de la déco, etc. Donc je vous dis à tout à l'heure. Coucou les amis et bienvenue dans ce dernier Vlogmas 2017. Hey, le papier se défait tout seul. Damien va aller emballer mes cadeaux.
Il est déjà assez tard, hein. Il est 17h05. Les cadeaux sont sous le sapin. La belle-sœur est partie. On le sent, ça sent meilleur, c'est ça, oui, que t'as dit. T'es bête. Et bah voilà, on attend que mes sœurs arrivent. Là, moi je vais aller prendre une douche. Oui. Ensuite, on va préparer des trucs à manger. Mais comme je sais pas si je pourrai parler quand mes sœurs seront là, je vais peut-être vous filmer des petits plans sans montrer les enfants. Je vais vous montrer quand même des petits plans, des petits trucs qu'on a fait. Mais là, du coup, j'ai pas du tout avancé les préparatifs de nourriture, quoi. Et du coup, voilà, je me dis, je vais pas me mettre peut-être à vlogger avec vous quand la famille sera là. Donc, je préférais quand même vous faire l'intro maintenant. On ouvre les derniers calendriers de l'Avent. Ah oui. Comme ça, c'est fait aussi. Et donc, oui, hier, c'était super génial. Bah, je vous ai mis des petites photos hein, dans le Vlogmas numéro 24. C'est super génial. Le 24, on l'avait déjà ouvert. Ouais, je crois qu'on s'était loupé. C'est le 24, c'est pas le 25, c'est le 25. Oui, pardon, le 24. Mais c'est le Vlogmas... 24. Ah maintenant 24 aussi, je sais pas ce que j'ai, je suis complètement décalée. Le fait qu'on a fêté Noël hier en fait, le 23, et ben j'ai l'impression qu'on est le 25, bon bref. C'est moi qui ouvre le dernier. Le 24. Oui. Waouh, c'est un gros ours, moi. Enfin un gros ours, un ours. Un ours de taille normale. Donc voilà, après j'aime bien, tu vois, qu'on teste des nouveaux calendriers tous les ans. Mm-hmm. Je me dis, il était pas trop mal celui-là, mais il était pas non plus exceptionnel. Il était pas folichon. Hein. Voilà, ouais. Genre l'année prochaine, si ça se trouve, je crois qu'on va en prendre un autre, on essaiera d'autres. Okay. Parce que bon, ils étaient pas génialissimes. Ceux-là, les Bean Boozled, ils étaient rigolos. Mm. Après, ils étaient pas non plus... Voilà, on a connu, mais par exemple, genre les Smarties, limite, c'était peut-être même un peu mieux, je crois. Enfin, ouais, il y avait les Smarties, quoi. Mm. Mais bon, voilà. Donc, je vous reprends. Reprends-les. Je vous mettrai sûrement des petites images de la soirée. Oui. Je pense, si du sapin, veux. Des cadeaux, du repas, etc., etc. Etc. Mais du coup, ce Vlogmas, oui, il sera un peu petit. Parce que là, je vais peut-être fermer. Alors, si j'ai le temps de filmer encore un tout petit peu avant qu'ils arrivent, je le ferai. Mais ça m'étonnerait. Donc... Sur ce, on vous fait de très bisous. Gros bisous. C'est le dernier vlog. Voilà, dernier vlogmas. Donc tu peux leur faire plein de bisous. Bisous. Et au inscrivez-vous, pire... abonnez-vous, commentez, machin, abonnez-vous, truc. Les happy vlogs normaux vont continuer. Oui. Pas quotidiennement, mais ils vont continuer. Voilà. Et donc, abonnez-vous, suivez-nous, commentez, voilà. J'adore les commentaires. J'adore les commentaires. Voilà, voilà. Et n'oubliez pas que je pense que je vous le filmerai sûrement le 26 ou le 27. Mais il y aura une annonce juste après Noël. Donc suivez bien la chaîne. Allez. On vous fait de gros bisous. Et on vous dit à bientôt pour d'autres vlogs. C'est à toi que je fais des bisous, moi. Ciao. Ciao. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Buvez pas trop. Sortez couverts.